Ce prédicateur a dit ceci. Ne prêchez plus le message. Mettez les bandes. Les effets, c'est déjà révolu. Alléluia. On dit comme ça. Nous allons y venir. Nous allons voir. Le ministère des bandes. Nous allons lire les prophètes. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est arrêtez de prêcher. S'il a dit ça, non, on va arrêter. Bon, s'il n'a pas dit ça, Alléluia. Ça peut être en rapport avec l'ordre de l'église sur le cadre. Allez voir un frère. C'est ce que nous croyons. Frère me dit ceci. 278 paragraphe. Molongo ya 278. Mais, si y a un grief contre un membre, si il y a un grief contre un membre, si il y a un grief contre un membre, là-bas. Si je ne vois pas dans mon écran. Okay. Si un membre a un greffe contre un autre, allez voir le pasteur. C'est ce que le prophète a dit, non? Allez voir le diacre. Montez à la chair en parler. C'est ça? Et bongo? Ouana yo. Ça c'est toi. Ou quelque chose ne va pas? Toi ça eloko songo les ayi kotambola malamote. Vous devez aller vous-même vers ses frères. Sengeli yomo ko kende ko kutana na ndeko wana. Alléluia. Je reprends. Sengeli. Vous devez aller vous-même vers ses frères et lui parler seul à seul. Alléluia. Là, il y a encore des témoins. Où je vais voir les frères, il est avec sa femme, ses enfants. Bana na ye. Bon na bandi kolobaka ka bongo liboso. Bongo te. Lui et lui seul. Esengeli kaka bino mi balé. Alléluia. Continue. Tokoba. Il lui parlait. Ko solo na ye. S'il refuse d'écouter cela, ce qui est à boy koyoka, vous le voyez en privé. Kuta na ye bino mi balé. Frère. Ndeko mopali. Sœur. De comment si j'ai appris ça, ça c'est na toi. Boy, na tina, na tina na juste. Et dengo li kamboko ezali boni boni. Il t'espère frère, c'était pas comme ça qu'on s'est parlé. Je sais pas les témoins qui m'ont dit ça. Na kwe ko benga bato ba lobi na ngali kamboana. Obengi bango pe. Si le c'est vrai, c'est vrai. Ceux qui basent ce que on a balobi, ezali bongo. Il continue à nier. Et te yé moto. On a pas d'autres témoins. Kokosa ndebo obengi mo bato mosusu. Alléluia. Ça la démarche, non? Wana nde molongo yango wana. Si les filles d'écouter cela, ce qui est à boy, koyo kayango, passez à l'étape suivante. Boy, la kanaite, ni oe, landi. Mais vous, d'abord, vous ne pouvez pas les voir. Bino, ya yambo, kenigo, passez à la deuxième étape. Faites-vous accompagner de l'un des diacres. Zoa, moko, yaba diacre. Ou quelqu'un qui ira avec vous vers ses frères. Tomoto, moko, akokende, elongo, na yo, kukuta na mot, ndeko wana. Amen. C'est qu'il n'est plus de faute, non? C'est la procédure, non? C'est la bongote. Et s'il refuse de vous écouter? Bongo, ce qui est à boy koyo kabino. Ça fait deux fois déjà. Wana seri balami balé. Tu l'as vu seul. Okuta na yo moko. Tu as des preuves, par exemple? Yo, ozali o yebi ma yazali ko sala. Tu as des témoins, par exemple? Ozali pe banzene ke na tia likambo wana. Il refuse de t'écouter. Te yé à boy koyo kayo. Sir. Obi, de comment si? Frère, de comment parler? Tellement on dit que tu as fait ça, tu as fait ça. Parce que nous, c'est parce que quand on qui boit, ou bien tu vis comme ça, tu vis comme cela. Toi, vous allez copier que l'olengue sur le. Tu fais toujours. Tu vas vous allez copier parce que vous. Je vais appeler Martin. N'a copié un de Martin. Martin t'accompagne. Martin, aïe, et longo na yo. Non, de diacre ici. Il y a des diacres en abysso. Ou bien tu parles des anciens, des anciens. Toi, vous y m'occupez à Bampaka. Ils sont nombreux, c'est les anciens. Mais j'allais les belles à Bampaka. Amen.
Frère Paluku, Frère Malonda. Vous les amenez. Omemi bango. Il est fini de les écouter. Yeah, boy, koyoka bango. Je te fais mon avis ici maintenant. Ndeko bana malubi boy. Si les filles de vous écouter, ce qui est à boy koyo kabino, alors venez le dire à l'église. Kaboya ko lobayango na losambo. Amen. Alléluia. C'est la procédure. Wanande ko tambo la sembo yango wana. Et si les filles d'écouter l'église, ce qui est à boy koyo ka église, que faire maintenant? Bongo sala boni. Alors la Bible dit, bongo tango wana Bible elo, qu'il soit pour vous comme un païen. Botala elo kola mo un publicain. Tomo moto azwa kampako. C'est vrai. Solo. Écoutez maintenant, c'est très bien. Boyoka na bokebi. Et toute personne, pe moto nyonso, toute personne moto nyonso, qui connaît une personne coupable, moto moko azali na kati ya mbeba, si vous n'arrivez pas à lui en parler, alors vous êtes la partie de l'église de Dieu qui aura à rendre compte de ses péchés, c'est vrai. Alléluia. Tout est possible entre vos mains. Faisons les choses correctement. Si vous n'allez pas lui en parler, alors vous êtes la partie de l'église de Dieu qui aura à rendre compte de ses péchés. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. C'est une croyance. En dehors de ceci, ça c'est votre passé à vous. C'est votre démarche à vous. On ne va pas l'approuver. Ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Amen. Et voilà la question maintenant. La question est la suivante. La question est la suivante pour aujourd'hui. Question au pasteur. Dans Jean 5:14, il est dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et les anciens prient pour lui. Et bon la en l'ognant d'huile. Au nom du Seigneur. Dans la prédication de la foi, les prophètes ont prié pour les malades. Et les frères Neville ont eu d'huile. Voici la question. Pourquoi nous ne le faisons pas? Alléluia. Et aussi, la personne continue, que chaque chrétien puisse avoir dans la mesure du possible l'huile chez lui à la maison. Alléluia. Vous avez suivi la question? Après, je veux savoir de quoi il y a. Pourquoi quand on prie pour les malades, bon, l'année, tango, bon, de la capona, bah, belli, on ne besoin pas d'huile. Donc, il faut le faire. Donc, en dehors de Copana, vous allez comme ça, là, c'est la réponse à la question. Primo, Yayambo, nous disons Amen. Tolobi, Amen. Alléluia. Oui, mon frère ou ma soeur qui a posé la question. Moi qui vous parle, il y a plusieurs endroits où on fait ça. Alléluia. C'est plein. Et je vous en donne quelques écritures, quelques paragraphes, quelques titres. Moi, mais ma commis. On ne sait pas la première prédication. Il dit ceci. Alors, bien, il commence après mes prédications. Comme il est de coutume ici au tabernacle, nous avons le pasteur pour faire l'onction. Il a envoyé Neville pour faire l'onction. Moi, Branham, je l'accompagne et je pose les mains aux malades. Alléluia. C'est dans quelle prédication?
Venez avec moi la prédication. L'amour divin. L'amour divin. Prêché le 28 août. Le 26 août. 56. Paragraphe 20 à 23. Écoutez. Alors, on va parler de la prière aussi collective. Et vous verrez comment lui a opéré ça. Alléluia. Frère qui me suit là-bas, toi qui me suis là-bas, écoutez. En ligne, écoutez-moi bien. Il dit ceci. Notre Père Céleste, nous venons humblement dans ta divine présence maintenant pour ces gens qui ont des besoins. Pour les malades, pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Et pour beaucoup d'entre eux, Père, les médecins n'ont plus de solution. Mais médecins n'ont jamais une solution pour les malades. Il n'y a plus rien à faire. À moins que tu leur accordes ta grâce. J'ai pris humblement aujourd'hui, Dieu, de tout mon cœur, j'ai mené à cette petite église afin que le grand Saint-Esprit qui est présent maintenant attire la parole du Seigneur Jésus qui a dit: là où deux sont ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils demandent une certaine chose, quelle que soit la chose, ils la recevront. Ça, c'est ta parole éternelle, Seigneur, qui a été prononcée des enfants du monde et qui nous a été donné par les prophètes, par les fils de Dieu lui-même. 21. Ainsi, notre profond désir maintenant, Père, c'est que tu guérisses les malades, ceux qui ont les besoins et qui sont ici devant l'autel. Parce qu'il avait fait l'appel à l'autel. Je t'ai pris de donner à chacun une bénédiction extraordinaire des fois en ce moment. Écoutez, comme ton serviteur et moi allons faire l'onction d'huile, imposer les mains aux gens, que le Saint-Esprit descende profondément et que par la foi qui est dans mon cœur, chacun soit guéri. Nous demandons au nom de Jésus, à cause de lui. Amen. Amen. Et là, effectivement, on va faire une ville solo à Tindine de Coneville pour rendre les gens. On a été à Kouka, Kopa, Kolabato, Mafuta. Frère ou frère, c'est scripturaire. Comme moi, si ton de combat, les alliés, les alliés, les maintenant, que vous avez été incliné, que tout le monde est en prière. Alléluia. C'était ça. Bongo. Hein? Je reprends. La zongeli. Maintenant. Sika. Pendant que vous êtes incliné, que tout le monde est en prière, le pasteur et moi irons prier. Les gens prient comme à ce moment-là. Quand il a dit ça, c'était à haute voix. C'était un délire. Amen. Il dit, nous, moi j'irai prier avec le pasteur. Espace, nous on a enregistré sur la bande. Et frère Branham et frère Neville, prie pour les malades. Quand on fait la Sainte Cène ici, à une certaine étape, nous disons ceci. Priez les uns pour les autres. Attendez-vous les uns les autres. On ne prie plus ensemble. Nous prions ensemble, non? On ne le fait pas. Tout ça, la alléluia.
Nous le faisons. Alléluia. Revenons à l'huile. Première citation que j'ai donnée ici. Deuxième citation. Pour appuyer la personne qui a posé la question, de dire. Nous disons que c'est vrai. Amen. C'est vrai. Deuxième citation. Vous verrez que vous allez ça après. Il a prêché, Seigneur, ces gens qui se sont mis en rang, parce qu'il a fait l'île de prière, pour qu'on prie pour eux, ils sont venus avec sérieux. Deux, sur la base de leur foi à eux, nous anciens, allons appliquer Jacques 5:14. C'est-à-dire, on va les ouindre d'huile. Dans quelle prédication? Je vous la donne. Allez vérifier à la maison. Moi, je vais gagner le temps. La prédication, c'est l'imitation du christianisme. Prêché le 20 janvier 1957. Il a oint les gens d'huile. Et il a prié pour eux. Paragraphe 203. Allez vérifier. Okay. Troisième citation. Il a fait ça. Dieu tient sa parole. Deuxième partie. C'est prêché le 7 avril 1957. Dieu tient sa parole, deuxième partie. Il dit ceci. Frère Neville. Et que les anciens. Ça avance pour que nous prions pour les malades. Amen. Le paragraphe 285. Vous qui voulez qu'on foute l'huile. Nous le ferons. Amen. Si vous voulez, on va le faire. C'est la parole de Dieu. On n'y passe pas. Maintenant, il dit ceci. Il dit, on peut, peu importe la quantité d'huile qu'on verse sur vous, sur votre tête. La guérison est basée sur la foi. Tout est basé sur votre foi. On peut prendre toute une bouteille d'huile, on verse sur vous. Si tu n'as pas de foi, ma soeur, mon frère, rien ne se fera. Je prends les versets bibliques d'abord. Les versets bibliques. 5 versets bibliques. Les amis, mitano. 5 ans. Fait maintenant parle du cas du serviteur. La Bible parle du serviteur d'un centenier. La Bible dit, la Bible dit ta foi. Bibli est le biété. Condima na yo. Lisez dans Matthieu chapitre 8. Botanga na Matthieu ya. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 5 à 13. Molongo ya mitano kino na zomi. Ta foi. Ta foi. Condima na yo wana. Alléluia. C'est la foi qui vous amène à entrer en contact avec Dieu. Ce n'est pas celui qui prie qui compte. C'est ta foi qui entre avec Dieu. Et la foi est basée sur la parole de Dieu. Deuxième citation biblique.
Et une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Jésus dit, ta foi t'a guéri. C'est dans quel livre? Matthieu 9, versets 20 à 22. Ou bien Luc 8, 43-48. Troisième citation. La femme cananéenne. La Bible dit, ta foi est grande. Alléluia. C'est où? Matthieu 15, 21 à 28. Quatrième citation biblique. L'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. La Bible dit à Bartimée, Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'était écrit dans quel livre? Marc 10, 46 à 53. Marc 10, verset 46 à 53. Dernier verset. L'un des 10 lépreux. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. C'est dans quel livre? Luc 17, 11 à 19. Il dit que même si on vous en lui n'importe comment, lui en tant que prophète, parfois il avait besoin d'un don. C'était son deuxième poule. Le discernement. Tu y as lis des prières. Il a prévu quelqu'un qui a essayé de mentir. Il a écrit quelque chose qui n'était pas, qui fait qu'il n'était pas. Vous voyez la suite. William Branham, venant de prière, pour que votre foi puisse augmenter, Dieu descend, il fait voir à William Branham. C'est pas cette personne qui vient en ligne. Regarde ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Et quand Branham vous parle, lui qui ne vous connaît pas, et qui vous connaît, tiens. Il me connaît pas, ce monsieur. C'est Dieu qui lui parle. Votre foi augmente. Et il vous dit, repentez-vous avant qu'on prie pour vous. Alléluia. C'est où? Après la prédication, la brèche entre le stade de l'église et les sept sceaux. La brèche entre le stade de l'église et les sept sceaux. Brèche entre le sept de l'église et les sept sceaux. Prêcher les 17, la brèche entre les églises. Hein? Ah, c'est difficile. Hein? C'est prêcher les 17 mars 63. Était ami mon collègue 17 mars 63. C'est la série des sauts. Ezali na tango ateki. Paragraphe 85. Ezali na molongo ya 85. Il dit ceci. Ah oui, boye. Ça va très bien. Ola nanga na bokebi. Il dit ceci. Ah oui, boye. C'est pareil. Quand il s'agit de prier pour les malades, tant qu'on n'a pas trouvé la cause, je connais le remède, mais je dois trouver la cause. Alléluia. Un bon médecin fait le diagnostic. Et notre septième de l'église de Jésus, septième étudiant, William Branham, l'étudiant de l'école du Saint-Esprit, c'est William Branham, il nous dit ceci, je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle
si important. Qu'est-ce que les visions m'aident, moi, William Branham? Qu'est-ce qu'elles font? Elles révèlent les secrets du cœur. Elles disent à la personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez, peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, peu importe la quantité d'huile que vous les reversez sur la tête, ou combien on peut crier sur vous, s'il y a quelque chose de faux, il ne bougera pas de là. J'ai dit, c'est-à-dire Satan. Il ne va pas bouger. Alléluia. Donc, on peut vendre l'huile. Alléluia. Non, nous pouvons le faire. Si vous le demandez. Alléluia. On peut prier pour ça, pour vendre l'huile. Ce n'est pas important. Donc les deux, on les applique. Donc, les deux, on peut les appliquer. Alléluia. Est-ce que clair? Amen. Je vais te mettre quelque chose pour terminer. Oui, oui, la question toujours. Attendez, il m'a posé une deuxième question. Je n'ai pas vu ça ici, je pense. Voilà. Il y a un fait qui a posé une question la fois passée. Il voulait dire ceci dans sa question. Il s'est converti. Il s'est fait baptiser. Mais à un certain moment, il se rend compte que les choses qu'il ne veut pas faire, il est en train de les faire. Il a signé son nom. Bon, je ne vais pas lire ça. Je crois que je l'ai déjà reçu en privé. J'ai déjà parlé avec lui. Frère. Ndeko. On a dit ceci la fois passée. Dans la marche d'un chrétien, nous avons montré ici devant vous. Quand la parole vous est prêchée, elle touche votre cœur. Dieu vous ramène dans la poubelle. Vous faites baptiser. Vous commencez la marche avec lui. Vous êtes sujet à beaucoup d'erreurs. Vous allez trébucher à chaque instant. Mais quand vous trébuchez, relevez-vous. Ne restez pas assis. Parce que c'est un combat perpétuel. Même si c'est le Saint-Esprit, ma frère. Le combat, c'est pas là-bas. Ça continue. Continue à lire les messages. Continue à écouter les prophètes. Continue à prier beaucoup. L'ennemi ne va pas vous lâcher. Vous avez quitté son camp. Vous êtes au côté. Il va continuer à vous chercher toujours. Mais évitez certains milieux. Amen. Je parlais d'un cas d'un ami. Quand on a crié en 85. Nous étions tous jeunes. Nous sommes dans les 20 ans, là, c'est 20. 20 ans. Moi j'avais 20 ans. Alléluia. Mon ami, faites attention. On est passé par des choses ressemblables. L'ami était à la maison. J'ai dit qu'avec une petite copine. Parce que le cas du frère, quand il m'a parlé, quand on a commencé à priver, ça concerne cette fille-là. L'ami était là. Avec la brochure. L'ennemi est très rusé. On lui disait, mais toi tu vas revenir. Nous, on te connaît.
L'ennemi a fait son œuvre. Et bongo moyini a sali mosala na ye. Le fait s'est trouvé la brochure. Ndeko ya zalai kotanga boko ya sangmala mo abaki yango. Frère Jean. Et puis ndeko Jean. Frère. Oui, ndeko. Tous nous sommes jeunes, nous sommes passés. Bisou nyo sou tata bilenge to le kine nzela wana. Comment tu as dit toi? Pour nani osali. Donc en bref, na boku se fait attention. Zala na bokepi avec tes anciens amis. Na baninga na yo yakala. C'est que tu courtois. To bato yo zala ki kotambola longa na bango. Quel est ton milieu? Boko tala banani bazali nzinga na yo. Est-ce que tu lis la parole de chaque fois? Yo. Est-ce que tu lis beaucoup la parole de Dieu? Tu lis beaucoup d'abord. Tu lis beaucoup. Résistez au mal. Fuyez le mal. Qui m'a ma bé? Le mal est là. Pas maté ma bé, de fuir le mal. Et zengel na yonde, oh qui m'a ma bé wana. Amen. L'ennemi ne va pas vous lâcher. Moyini akoti kayote. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Tous allez na tango ya suka. L'ennemi sait que ces gens sont comptés. Il cherche qui est dans son divin. Accrochez-vous à la parole. Seul vous ne ferez rien. Dites Seigneur, dans cette épreuve, je ne serai pas tenir. Je ne compte que sur toi. Il va intervenir. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier. On va passer au deuxième service. Prions le Seigneur. Dieu notre Père. En fait, nous disons merci Père pour ta présence parmi nous. C'est quelque chose que nous répondons au Dieu. Prouve que tes enfants sont dans les besoins. Nous ne pouvons pas répondre en dehors de tes messages au Père. Nous croyons avoir répondu selon ce que tu nous as dit par ton prophète. Et tes enfants Dieu à s'attendre à toi et à toi seul. Si tu nous as appelés au Dieu, nous serons malades. Que tu es notre grand médecin. Nous sommes en difficulté au Dieu. Tu pourras tous nos besoins, Saint-Esprit. Pour la suite de ce culte au Dieu. Amen. Je me retire, on va revenir pour le deuxième service. Je chante sur le chemin conduisant les cœurs. Au calvaire où coule à plein le ruisseau vainqueur. Amen. Je chante sur le chemin conduisant les cœurs. Au calvaire où coule à plein le ruisseau vainqueur. Bien de flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit et moi je le suis. Je désire. Je désire
Je désire au service de mon Dieu, la nuit peut sembler sombre que je ne peux plus voir mon sentier. Je me rapproche de lui, il m'éclaire alors. Unissant nos efforts, me conduit au port. Moi, je désire. Ainsi je désire le voir et chanter pour toujours dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis, je suis à l'abri du fin fond, amen, du fin fond de la vallée. Je vois les glaciers, il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé, la parole, et je suis protégé, gloire à mon rocher, ainsi je désire. Amen, et chanter pour toujours, sa grâce dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Moi je désire. Alléluia. Sa divine grâce dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Amen. Alléluia. Tovanda. Chant individuel. David et les autres. Dieu bénisse. Nzembo oyo ezolobela justification ndenge nzambe tango alimisaka masumu na biso ezali neti tosali yango te, donc na misu na ye ezali neti tosali yango te.
They will run to God to tell him the things that are wrong. He hates so much to say he's the accuser of brethren. I could hear him ready, my mouth as he spoke words of love. Jesus took my place, oh, he spoke in my stead. If you consider my son walking on the face of this earth, then he said, I'm still pleased with my son because he walks by faith. I'm still pleased with my child for he has revelation. I look beyond his flesh and see the divine connection. He has never done wrong in the first place. He has never done wrong in the first place. I'm still pleased with him. I'm still pleasing my son because he walks by faith. I'm still pleasing my child for he has revelation. I look beyond his flesh and see the divine connection. He has never done wrong in the first place. He has never done wrong in the first place. I'm still pleased with him. The devil run to God to tell him the things are done wrong. He had so much to say, he's the accuser of brethren. I could hear him right in my mind as he spoke lots of life. Jesus took my place, oh, he spoke in my stead. If you consider my son walking on the face of this earth, then he said, I'm still pleasing my child because he walks by faith. I'm still pleasing my child for he has revelation. I look beyond his flesh and see the divine connection. He has never done wrong in the first place. He has never done wrong in the first place. I'm still pleased with him. There is an easy way to anger Almighty God, doubting to his word, disbelief to what he has promised, undermining his very will and his ability to say, postponing his program will certainly put him on. The best way to please God is to walk by faith. Then he'll say, I'm still pleased with my son because he walks by faith. I'm still pleasing my child for he has revelation. I look beyond his flesh and see the divine connection. He has never done wrong in the first place. He has never done wrong in the first place. I'm still pleased with him.
Amen. Alléluia. Maman Isio. Agoyemba, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient de Dieu, qui connaît le cœur droit. Oh, quel cher trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur les bénit, car l'ennemi va trembler de peur en face du danger. Croire au Seigneur a frémi le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi plus que l'or, Dieu l'honneur les bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Alléluia. Oh, quel est ce trésor, un cœur qui vit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honneur les bénit. Alléluia. En face du danger, la mort, Simba. Amen. Christian Daniel. Akoyemba, la vie est un bateau. Bateau naviguant dans des eaux inconnues. Hier le temps était beau, aujourd'hui la tempête est venue. Hier tu étais heureux, aujourd'hui triste et découragé. Tu ne sais vraiment plus où aller. Viens à Jésus, viens à Jésus, le maître de toutes les mers. Viens à Jésus, viens à Jésus, le Seigneur de tout l'univers. Il est le seul, il est le seul à calmer les. Donne-lui donc le gouvernail, c'est son travail.
te sera. Sois-en sûr, pas toujours une preuve, car l'or ne reste pas. Toujours enfoncé dans le creuset, juste le temps qu'il faut. Oh, qu'il en ressorte raffiné, tu verras que toute chose a changé. Viens à Jésus, viens à Jésus, le maître de toutes les mers. Viens à Jésus, viens à Jésus, le Seigneur de tout l'univers. Il est le seul, il est le seul à calmer les tempêtes. Donne-lui donc le gouvernail, c'est son travail. Et laisse-toi guider tous les jours de ta vie, que la mer soit tranquille ou qu'elle soit agitée. Tu atteindras le but là de l'autre côté. Frère Martin. Seigneur Dieu, nous te remercions encore pour ce privilège d'être dans l'Église, Père. Vraiment, nous apprécions ta parole correctrice, vivifiante, salvatrice. Comme notre Père Abraham l'était Père, nous sommes la semence d'Abraham. Par la semence royale, Christ incline nos cœurs à l'entière obéissance de celle-ci, pour que toutes tes promesses que tu as données, nous puissions en bénéficier positivement. Maintenant, nous voulons donner nos dîmes et nos offrandes en obéissance à ta parole. Agrée cela, Père, et donne-nous ce dont nous avons vraiment besoin, l'essentiel physiquement parlant, pour que nous puissions travailler d'arrache-pied à l'avancement du royaume des cieux, guettant la seconde venue du Seigneur. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la forêt profonde, j'ai raison.
Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, amen, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du monde. Alors mon cœur, alléluia, redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit le jour, que tu es bon. On reprend ça, on reprend. Mais quand je sens au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi et son cher fils est devenu mon frère. Quand mon sauveur éclatant de lumière rayonnera de sa gloire éternelle, et que les temps et tout de la terre, je verrai les grandeurs de son côté, je redirai alléluia. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. 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 Yangonde bendaki grâce. Yango anatobiki. Amen. Il y a 7 à 8 milliards d'individus sur Terre. Il n'y a qu'un petit groupe au Bayebi Solo. Et vous êtes parmi ces gens. Alléluia! Quelle grâce! Tu as combien de temps de requête? Je demande la prière des saints pour le voyage que je vais effectuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. C'est signé frère Aaron Mbaka. Remerciement. C'est Ernestine Bojenga. En fait, les années de prière à Zolo Bananzambe. Moi, je ne fais que lire. Nous te remercions, doux Jésus, parce que tu l'as fait par amour, en protégeant nos enfants durant toute l'année scolaire 2022-2023. Et pour la réussite que tu leur as donnée, que ton nom soit loué à jamais. Amen. Ozana regrette à combien en goûter à Olaxana Zela Gotombo la Lobogo, Naosengana. Tu pries pour les requêtes et pour la parole qu'on va entendre. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père Céleste, pour ton amour envers nous, ta miséricorde, Seigneur. Tu ne cesses de nous protéger jour et nuit, Seigneur. Nous voici encore une fois en ce moment, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, te louer et élever ton nom, Seigneur. Voici ton enfant qui vient auprès de toi demander la protection pour son voyage de demain, Seigneur. Sois avec lui jusqu'à son arrivée, Seigneur. Il ne manquera pas à témoigner ton nom, Seigneur.
Merci pour cette année de plus que tu as accordée à tes enfants qui sont passés ici devant. Tu les as protégés dans le parcours scolaire, Seigneur, durant toute cette année, Seigneur. Tu les as épargnés de différents dangers, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Père Céleste. Protège leurs parents, Seigneur. Protège tous les parents de cette église, Seigneur. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour élever ces enfants que tu leur as donnés, Père. Éloigne le diable de leur chemin, Seigneur. Nous laissons la fin de ce culte entre tes mains, soit avec notre pasteur, soit avec la prédication qui sortira de sa bouche, Seigneur. Oint ses lèvres, Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers de lui, Seigneur. Nous laissons toutes choses entre tes mains, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons déclaré la guerre. Amen. Ce qui ozo bundate, yebaka yazo liayo. Amen. Nous n'avons pas d'autre choix que résister, lutter. Amen. Nous avons déclaré la guerre. La foi. Notre cri de guerre, la foi, notre bouclier et notre la prière. Amen. Nous ferons tout sûrement. Il a déjà vaincu. C'est dit Kolonga. Il a versé son sang à la croix. Yeah, tant que ça qui m'a quitté, n'est que l'osso. Dit que tout était accompli. A bien été nyoso, ma coquille s'amaki. À vous d'entrer pour cette victoire. Le Seigneur n'a bien aucun soi et longa wana. Par la foi. Nanzela ya kondima. Bien qu'on fasse le Seigneur. Tobon de l'ancolo. Encore une fois, Dieu tout puissant. La mélangoya tu es le sousou. Nous l'avons chanté tantôt, Dieu. L'engeto tiko yemba. Nous croyons, Père, que tu es le grand conquérant. Et devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Devant toi, oh Dieu, même pas le cancer ne résiste au Père. Devant toi, oh Père, l'ennemi de Tal. Nous t'avons vu devant la mer rouge. Pour tes enfants, oh Dieu. La mer rouge a scindé en deux. Devant ton Père. Qui m'a dit ne va résister. Car tu es tout et tu es rien ne peut se demander ta face au Père. Tu as dit que tout a été accompli à la croix. Pour notre guérison divine. Pour et pour notre salut. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Alors que le monde s'effondre. Nous regardons vers le calvaire. Tu as versé ton sang. Et fais-nous voir au Dieu. Qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. Et nous offrons celui-ci au Dieu.
Donne-nous une vie consacrée. Une vie d'amour au Père. Nous aimons les uns les autres. Et bien les uns pour les autres. Tiens-nous par ta main puissante au Père. Sois avec nous, Père. Jusqu'à la fin. Kino na suka. Nous avons demandé ici. Au nom de Jésus Christ. Na kombo ya Yesu Christo. Amen. Amen. Prenons la Bible. Tozo Biblia. Dans après chapitre 21. Donc na buku ya emoni seli ya tuku ibale na moko. Verset 1 à 2. Molongo ya moko kino na mibale. Jean dit ceci. Yohani alobi boye. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bon, on a monaki lola ya sika pe mo mabele ya sika. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Bon, a été lola ya liboso pe mabele ya kala et la mer n'était plus. Moi. Bon, ngombu ezala ki susute. Et j'ai vu descendre du ciel. Bon, on a monaki kokita uta na lola. Près de Dieu. Uta na Nzambe. La ville sainte. Ngumba oyo mo santo. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem Yassika. Préparé comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Abongwa ki lokola mwasi ne bala bonga kapona obali na ye. Amen. Je vais vous asseoir. Pourquoi ko fanda? J'ai un communiqué du diacre. Nazali na communiqué outa na diacre. Il dit ceci. Alobi boye. Donc la fin constat ce matin. Ye ata moni likambo moko na toba lelo. Il est demandé aux frères et sœurs. Alobi te singama ki singami na bande ko basi pe mibali. Qui arrive pendant compris. Oyo bazali ko kota koko matango tozali ko bondela. On lit la parole de Dieu. To tango tozali ko tanga lelo bana Nzambe. De ne pas marcher. Et te batambola te. Ou avancer sur le perron. To ba pousa na te. Le corridor de l'église. Na batambola linzinga zinga na losambo te. De deux il dit ceci. Mibale alobi boye. Que les mamans ou les papas. Dika ete ba mama to ba papa. Prennent soin d'accompagner les petits enfants aux installations sanitaires hygiéniques. Bazo akabana bango mikie komema bango kuna na nzongo to na toilette soka. Alléluia. Donc si venant en retard. Bongo soki oyé na retard. On a dit la parole de Dieu. Était au kutibi soko tanga iloba na Nzambe. Sante de lire. Nous lisons la parole de Dieu. Et tu sais qu'autant, il faut vous arrêter. Et c'est là qu'on télé. Par respect à la parole de Dieu. On a quoi? Parce que ça, il m'est bien, il est au Alléluia. Quand on monte les drapeaux congolais. Tant qu'on va tomber la cabine de la Congo. Vous arrêtez, non? Tout peut télé m'arrêter. Parce que ça va vous arrêter la personne. On a été obéi des policiers à Kokanga. Comme nous a dit, quand on fait ça, il faut se tenir debout. De quoi on a malheur? Mais tant qu'on va dire que ça, l'angoisse c'est engueulé qu'au télé m'a. Restez en respect. On a quoi? Tel ça, il m'est bien. Alléluia. Nous parlons de printemps. Sur les douleurs de l'enfantement de la terre. Nous avons expliqué les étapes qu'elle doit, par lesquelles elle doit passer. Selon les prophètes, il nous a dit que la terre sur laquelle nous vivons doit passer par, doit être comme l'homme. La justification. La sanctification. Koboli sama. Et baptême de feu. Pe li batisi ya moto. Il dit, elle est déjà passé par deux étapes. Alobete yemo kili esili koleka na biteni mi balé. À l'époque de Noé. Na tango ya Noah. Par les eaux, les déluges. Kaki na nzela ya pela. C'était pour la terre la justification. Et zala ki pona ko tali sa ko longi sama. Et quand Christ est venu. Bongo tango Christo ayaki. Il est mort à la croix. Ye akuf tango akufa kine kolosu. Il a versé son sang. Ye atangisa ki makila na ye. La sanctification. Pona il dit aujourd'hui, bon, le bilélo, comment nous vivons, na, tango, kopika, cette terre mokili oyo, attend le baptême de feu. Azali ko zela, li pourquoi Jean l'a dit ici Yohane, parce ango, que awa, cette terre sur laquelle nous habitons bon, ete, mokili oyo, le, sika, sera kopika, détruite. Eko, baby, sama. Amen. Il faut dire ceci. De Kobanama, le Biboye. Ce n'est pas qu'il y aurait une autre terre. Alobite était beaucoup qu'il y aurait une nouvelle terre renouvelée. Je vois de tous les atomes, tous les péchés. Hier, une Zambia qui a bébé sa vie. Il y a habité. Il y a un bon été. Bon, c'est pour bientôt. De Kobanama, le Biboye. Il y a un bon été. Il y a un bon été. Et
Nous sommes arrivés à un point. Bon, on va en parler des rois du Nord. Les Sikandekobanama Zaire Kolbanatina Mokosiyanon. La Russie. Il a dit en 1933. À ce moment-là, Natango Wana. C'est encore l'Union soviétique. Mais Dieu lui a dit d'observer la Russie. Et je sais ce qu'elle allait faire. La Russie, c'est un instrument de main de Dieu tout-puissant qui va punir ce pays-là. Nous avons dit vendredi, Trump dit ceci, que la Russie et Russie voit effet de la carte le Vatican. Et que Russie a bébé sa mboka ya Vatican. Dans une heure seulement. Les armes qu'elle dispose, on était nous n'en avons pas. On a vu vendredi faire nous dire que la Russie est en avant de 5 ans sur les Américains. Quand nous serons à ce niveau-là, il sera en avant de 10 ans sur les Américains. Les rois du Nord. Il faut savoir ce que les rois du Nord font là-bas. Regardez aujourd'hui. Il est en Ukraine. À côté n'emboka Ukraine. Notre ami oncle Sam. A invité ses alliés. Comme d'habitude. Vous avez la France. Vous allez n'emboka France. L'Angleterre toujours. Angleterre. L'Australie. Australie. L'Allemagne. Allemagne. Même la Belgique notre pays. Belgique. Et envoie les équipements là-bas. Kotinda, bibou, contre la Russie. Pona kobundisa Russie. Seul. Yé moko. Elle tient. Azali peko telema. Mais oui. Imaginez qu'elle est ses alliés aussi. Bobo kanisa soki yé peu y Russie. Azali ses alliés. La Chine. Oui, ninga na yé neti mboka Chine. Mboka Iran. Vous avez Cuba. Tomboka Corée du Nord. Cuba, Corée du Nord. Imaginez qu'est-ce qui s'allie à la Russie. Bobo kanisa soki bango ba. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la Russie? Na Russie a mokile kozala la bonne. Elle va brûler. À cause ekozika. Alléluia. Pour qu'elle épouse, pour être moi, c'est n'importe quoi. Frère, ce qu'on va lire aujourd'hui. Donc, bon, malobi, n'a maintenant autant aller. C'est une brochure. Vous avez. Je vous dis, brochure aujourd'hui. N'a autant qu'aka beaucoup moko lelo. Il va insister sur ce que vous devez trouver en règle. À copé ça, copé ta sette na l'engue te singe na biso koti abo moi na biso molo. Donnez-moi le temps de lire jusqu'à la fin. Copé ça na tango na. Pas toute la brochure. Na tanga. Ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Na tanga nyoso nga na kana kipo na lelo. D'abord, voilà ce que je vous ai promis. Na taille sabino na nomai nga la. Vous qui filmez, prenez bien l'image, il faut bien zoomer. Alright, okay. Voilà. Prends dit ceci. Allez-y. On a essayé de montrer ça pour vous montrer comment ça va se passer. Il dit sept tests que nous habitons la terre ici. Avec ces 20 montagnes. Cette terre que nous habitons. C'est ça. Yangoyo. Alléluia. Nous avons 5 continents. Tozali na continent mitano. Quand Dieu va brûler cette terre, bon, tant on zambe akosi ki sa mokili oyo, aucun continent ne va échapper. Atamboka mokote ekotika la. La vie est avec ces montagnes. C'est que ça nous sommes. Mokili oyo kalana bangomba na ye. Alléluia. Qu'on soit en Afrique. Ata ozali na mokili Afrika. En Europe. Tona Europa. En Asie. Tona Asia. En Océanie. Na Océanie. En Amérique. Tona Amérika. Quand il va détruire. Tant oye akoboma. Ça ne va pas vous cacher. Aussi quand il faut battre mes causes pour bientôt là. Bongo yango ko style masima ya moi tango moke. Voilà. Ça va donc on a fait doucement. Pour laisser la nouvelle terre. Yango ko longwa manabo lembe malembe on a. Il y aura une nouvelle terre. Pesa de place na esika na. Et cette nouvelle terre là. Et bongo il y aura une nouvelle cité. Ma belle à Sikawana, les colonnes à un gros. Jérusalem, comme vous venez de lire. Na Ngomba et à Sikao, Tobengi, Jérusalem. Le pouce sera sur la nouvelle cité. Moi, si n'est pas la cause. Alléluia. Ngomba et à Sika. Et là, il n'y aura plus de péché. Kuna, les soumous et cause à la soute. Amen.
Il n'y aura pas de kidnappeurs. Il n'y aura pas de politiciens. C'est un rapport qu'on vient de lire, c'est 21. J'ai dit qu'il a vu une nouvelle cité de ça. Voici la nouvelle terre. Après que ce qui s'est passé par le baptême de feu, il y aura une nouvelle terre ici. Où il n'y aura plus de péché. Et cette nouvelle terre ici, et bon, la cité sera installée là-bas. Voici la nouvelle cité. En forme de pyramide. Vous voulez vous être là-bas? Et c'est pour bientôt, mes frères. Ne soyez pas distrait. Les politiciens vous trompent. Rien ne va changer. Même si on a mis Washington ici, il ne va rien changer. Sinon, Dieu n'a pas parlé par le prophète. Tout est pourri. La politique. La religion. Tout est pourri. Notre l'espoir. C'est la nouvelle cité. La nouvelle cité. Nouvelle Jérusalem. Alléluia. L'époux sera ici. Moi, si je suis là, à cause de la Awa. Il n'y aura plus de tabernacle. Pas de Mopoulou tabernacle. Amen. Christ est notre roi là-bas. Alléluia. Ce n'est pas, c'est une réalité. J'ai vu cela. Il a manqué le mot pour expliquer ça. C'est sublime. Ça ne suffit pas. Quel est le mot qu'il faut utiliser? Il y avait des palais. Aujourd'hui, nous louons des maisons. Hein. De l'autre côté. Parce que un millénium, frère, me dit. Vous allez construire. Mais là-bas, Dieu connaît votre goût. Il a préparé votre palais. Amen. C'est quelle vie que nous allons vivre là-bas. La nouvelle terre. Alléluia. Il n'y aura plus de COVID-19. Où c'est qu'il faut porter le masque? Il n'y aura plus de kwashorkor. Il n'y aura pas de wenze. Il n'y aura pas de marché. Amen. Quelle nourriture. Mais mes frères. Oui, Mandeko. Pour rien au monde. Si ça a été loco, pour rien au monde, s'il vous plaît. Et loco, mon côté n'a pas dit. Débarrassez-vous de ce qui vous dérange. Pour l'ongola nios, les alliés qui tungent. Enlevez tout ce qui est de côté de la parole de Dieu. L'ongola nios, les alliés qui se sont élevés. La haine. L'ongola koyina. La médisance. L'ongola biloba loba. Les calomnies. L'ongola kotongo. Vivez les chrétiens. Bikabo moyamo Christo. Quand il va appeler bientôt. Tango yako benga simana tamo. Alléluia. Alléluia. Vous serez là-bas. Okoza la kuna. Amen. Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Et si vous a vraiment appelé, vous a parlé, non pas ici à l'oreille, mais du fond de votre cœur, et qu'il a circoncis ce cœur-là, et qu'il a mis son esprit dedans, c'est jusqu'à l'enlèvement. Vous ne traversez pas les épreuves, c'est vrai. Il y a des maladies. Vous allez manquer à manger. On va se moquer de vous. Ce matin, j'ai reçu un message de mon homo. C'est-à-dire que c'est l'enfant de mon grand frère. On a donné le nom de Jean-Oumba. Souvent, je prends ce délit pour ses études. Alors, il est chez ma nièce. L'enfant de mon grand frère. Ce matin, il m'a envoyé un message. Il me dit, papa,
Chez ma soeur où je vis. Et si quand on est allé au Pika. Parce que souvent on nous appelle, parce que nous, enfin, après, je suis presque seul avec un grand. Nous sommes deux, trois. Un grand frère et moi, et puis. Misato, alors, il dit, mon papa, là où je vis, c'est ma soeur. Alors, si quand on est allé au Pika, il y a un pasteur qui est venu prêcher. Moté, il m'a dit, côté Yakuna. Qui dit à ma soeur. Oh, il y a le lobby, moi, Jean, soit il quitte la maison. To, moi, nawana Jean, allons, on d'accord. Si ou bien quitte le message. To at longwa na katia message to sango. Si vous restez ici. So qui ya lingi kotika la awa. Quitte le message. A longwa message. Pourquoi? Abi pona nini? Ce faux pasteur là. Abi mo kengeli ya lokuta wana. Un faux hein. O azali mo pa kolema lokuta. Dia ma nièce. A lobby na nièce na ngai. Que Branham n'est pas le prophète. Et ende ko bana mazali mo sakolité. Alléluia. C'est le cas pour vous? Yango ezali bongo pona yo. Pour nous. Pona biso. Dans cet âge, il n'y a que William Branham. William Branham. La seule voix qu'il faut écouter. Jean va péquer le matin au soir. Posez la question. Tu nous as lu ça dans quel message? Yo, parce que pour vous, ponete, pona bino, en eux du message, banda ya c'est la mort. Ezali, à l'époque de Noé, Noah, pour avoir la vie sauve, est dans l'arche. Et dans cet âge, et bon, oyo, Dieu du ciel a envoyé un homme, Atindi Motomoko, William Marion Branham, William Marion Branham, avec un message. Nansangomoko, et lui a dit, a lobi na ye, ton message oyo a yo, prépare ma seconde venue. Dites à l'Odyssée, dite la Odyssée, l'obana la Odyssée, ce monde sera bientôt détruit. Et mais avant que je détruise la terre, j'ai mes filles et mes fils parmi eux. Voici qu'il faut leur donner. Tala, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Message il dit que vous aussi que Dieu a appelé à prêcher. Dites ce que maintenant moi j'ai dit. Et là sur chaque point. Alléluia. Je dis à mon neveu. Il n'y a pas de problème. Rentre chez ta mère. Alléluia. Qui peut nous appeler l'amour de Christ? Est-ce l'angoisse? Est-ce la souffrance? Passi. La maladie? Tenez bon! Télémangui. Il prendra soin. Ye, nous avons dit que la Russie, dans les prophètes, elle est très avancée. Ye, qu'elle paie de tous les yeux et celles dans peu de temps. Ye, American, ce matin, j'ai vu une telle brochure. Mais il y a beaucoup de citations à lire des gens. Il dit ceci. Ça peut continuer. Yeah. Oui, ça vous distrait, on peut arrêter. To kangango. Ça va. Il dit ceci. Alors, oui, s'il y a une attaque massive contre la Russie, voilà pourquoi nous en parlons beaucoup sur la Russie. Parce que pour le moment, elle est en action déjà. On ne sait pas quand il va arrêter ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce le début? Tant, inde, elok, on ne sait pas. En attendant alors, voir ce qu'il fait là-bas. Il dit ceci. S'il y a une attaque massive contre la Russie, il y aurait une réaction en chaîne. Et cette réaction-là en chaîne de la Russie aura comme conséquence qui brûlerait la terre et mokili et kozika à cause de ces armes qu'elle dispose. Et m'ajoute, si cela arrive, ça va arriver effectivement, et cela ne serait pas du tout en contraste avec les Écritures. Amen. Parce que tu dois être purifié par le feu. Chaque jour, prépare ses armes contre son adversaire. Si vous avez des renseignements, espionne l'autre esprit de renseignement. Notre honneur, espionne les Rwandais.
Là aussi, ils espionnent. Comme la Russie espionne les Américains, chacun s'espionne. Mais on a dit vendredi, c'est vraiment dit ceci. Si la Russie venait aux USA, avec ses bateaux de guerre, ses avions de chasse, est-ce que les Patagons vont capituler? Alléluia. Il va capituler. S'il ne refuse, il dit dans 5 minutes, ils vont en poussière. Alléluia. Frère, quel est-il? Ne soyez pas distrait. Tout peut arriver. Disons les prophètes maintenant. À ce sujet là-bas. C'est dans la prédication. Un prophète qui rougit. Un prophète qui rougit. C'est prêché le 25 novembre 1956. Novembre 1956. D'abord, il parle de soucoupe volante. Il dit, mes petits enfants, quelque part, il dit ça. Alobi, n'ayez pas peur. C'est ce qui viendra vous chercher. Alléluia. Ouais. Ici, il dit ceci. Ah, alobi, boy. Paragraphe 69. Molongo, y a 69. À 82. Kino, à 82. Il dit ceci. Alobi, boy. Laissez-moi le temps de lire. Vous avez vu cela l'autre jour dans le journal. Là où on demandait à la science ou au Pentagone d'expliquer les soucoupes volantes. Ils étaient incapables d'expliquer ça. Ce n'était pas un mythe. Ce n'était pas quelque chose d'imaginaire. C'était réel. C'était quoi? C'était une intelligence. Amen. Elle volait en formation de combat. C'est ce qu'une volante. Elle pouvait s'arrêter. Quel avion peut s'arrêter par l'hélicoptère? Soucoupe volante. Peut voler. Peut s'arrêter. Alléluia. Espère-moi expliquer. Elle pouvait se mettre en marche. Elle pouvait s'arrêter. Il pouvait le voir. C'était une intelligence. Il est sage. Les gens ont ri. Ils ont dit les soucoupes volantes. Ils sont moqués de cela. Mais savez-vous à quoi je pense? Jésus a dit qu'avant sa venue, il y aura des signes dans le ciel. Avez-vous remarqué? Avant de commencer, avant qu'il détruise Sodome et Gomorre, à cause de leur liaison perverse, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a envoyé des anges pour faire une enquête. Et pour William Branham, les soucoupes volantes dont on parle, c'est les anges qui enquêtent. Alléluia. Vous serez surpris. Pas vous, mes frères et sœurs. Mais les mots surpris. Vous êtes avertis déjà. Amen. Dieu a envoyé des anges pour faire une enquête. Des anges sont descendus sur la terre au cours des quelques dernières années. On les a vus parmi les gens. Je parle d'honnêtes gens. Pas tout le monde. Des gens lavés dans le sang. Et des gens qui en sont conscients. Ils se sont même tenus là. Et se sont photographiés. Photo. Si vous voulez vérifier ça, allez sur Google. Vous verrez ça. Même la forme. Alléluia. Il dit, continue. C'est quoi? Des êtres angéliques ont fait une visite
Ils ont rapporté au Père. Père, Tata, les péchés tellement, accès, accumulés. Que les étoiles arrivent à peine à brûler, à briller. Amen. Le monde entier vacille. Tel un homme Yves qui rentre la nuit. C'est vrai. Alléluia. Solo. Si j'ai le temps, je peux vous amener ça. Les péchés parmi les chrétiens, parmi les élus, ils ont vendu leur droit de naissance pour la popularité. Ça, c'est propre prédicateur. Et ce qui tous les ministres, c'est ça. Il y a la popularité, l'argent et les femmes. Nous connaissons cette ville de Kinshasa. Nous, du moins, qui avons vécu longtemps ici, nous connaissons quelqu'un qui a fait des bêtises avec les femmes d'autrui. Il a lu l'écriture du prophète qui disait quoi? Que le pasteur, ce qui est vrai, est le mari de l'église. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui nourrit l'église. Notre ami, il a accès une soeur dans l'église. Il était marié. On lui pose la question. Pas les concernés. Dit, qui suis-je? Je suis pasteur. Marie de l'église. Je suis honte à vous. Amen. Les péchés parmi les élus, ils ont vendu leurs droits de naissance pour la popularité. Les ministres ont échangé l'évangile contre une rencontre sociale. Regardez, partout il y a des compromis. Des compromis qu'ils font. Les ministres ont échangé l'évangile à l'ancienne mode, lavé par le sang, pour faire un discours intellectuel aux gens, pour prêcher des choses intellectuelles et parler des faits des sociétés. Amen. Ça, c'est pas dit social. Bon nombre d'entre eux sont allés sur le champ de mission pour prêcher et ils ont fait l'usage de l'évangile à des fins personnelles pour se faire de l'argent. On m'a parlé hier d'une soeur qui était malade. Lobi baloba ki nanga natina ndeko mwasi moko azaki na bokono. Mam espera de mon plus par exemple. Il n'a pas vu le pasteur. Et alléluia. Ce n'est pas normal. Les pasteurs, ça c'est à tout le monde. Au cas des besoins. Ce qui est à qui n'y a pas de barrière. Vous êtes berger pour les brebis de Dieu. Il est dans les besoins. Ce qui est à te voir. Pour la recevoir. Il faut l'écouter. Rien pour la personne. Si il y a besoin matériel. Il faut le faire si il y a moyen. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des barrières. Ce n'est pas le cas pour tous, je sais. Je suis reconnaissant qu'il y a encore un reste. Alléluia. 112. À l'époque d'Esdras, quand Esdras s'est mis à pleurer et à dénoncer, à réprimander le péché, savez-vous ce qui s'est passé? Tous les élus qui ont fait confiance à Dieu, se sont réunis autour de lui.
Réunissons-nous autour de William Branham. Alléluia. Pas autour de Jaumba. Autour de William Branham. Autour de ce message. Amen. Ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes. Et moi, je suis heureux d'être parmi les hommes et les femmes qui se tiennent au message. Je veux dire que vendredi après culte, il m'a vu. Et j'étais très content de voir que la sœur lit le message. Elle lit le message vraiment. Amen. Donc vous frères, bon, opino, ne pensez pas que la sœur elle lise. Celle-là est abramassée. Frère, non, je n'ai pas lu ça. Que Dieu bénisse notre sœur en tout cas. Je suis très content, je suis très fier d'entendre ça. Alléluia. Il dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes que nos prédicateurs prêchent dans ces églises-là, qu'ils appellent le péché péché. Amen. Mais vous avez un polygame. Et tu lui dis, va de l'avant. Vous allez l'amener où? Dans votre village. Ou chez ton père. Pas chez notre Dieu. Nous. Alléluia. Là, il n'interrompt pas. Parce qu'un polygame, il vit dans l'adultère. Alléluia. L'adultère n'interrompt. Et les polyandres n'interrompt. On t'a vu. Alléluia. Qu'ils appellent péché le péché. Qui réprimande cela. Le véritable peuple de Dieu se réunira autour de vous. Et restera avec vous. Voulez-vous rester avec nous à Mopoulou? Voulez-vous rester avec nous ici à Mopoulou? Acceptez qu'on réprimande les péchés. On ne va pas dorloter les péchés, frères. Moi qui est derrière cette chaîne, vérifiez ma vie et priez pour moi. Amen. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai une chose, Dieu m'a fait grâce, j'ai menti à ceci. J'aime haut, j'aime bas. Quand arrive à ce message, quand on arrive au message, qui que vous soyez, on va se référer au message. Là, il n'y a pas d'amitié. Amen. Il dit, alobi, les véritables peuples de Dieu se réunissent autour de vous et resteront avec vous. C'est vrai. Il est temps de dénoncer et d'appeler les choses par leur nom. De faire la distinction entre le bien et le mal. Ne parlez pas mal des uns des autres. C'est mal. Alléluia. On le répète, priez pour votre frère. Allez les voir vous et vous seul. N'en parlez pas d'autre. C'est mal. Oh Dieu, accorde-le-nous pour que nous ayons le courage de le faire. 34. Pensez simplement à ce qui pourrait arriver. Amen. Vous la réussir maintenant. Comme je vous le disais ce matin, je crois plutôt que j'ai entendu quelqu'un le dire. Un de ces guetteurs qui est aux aguets. J'oublie comment on appelle ça maintenant. Celui qui guette les bombes ou les avions à venir. Il n'y a pas longtemps, une émission avait été diffusée quelque part où il était dit qu'on avait fait sortir des grandes flottes avec 300 bombardiers des avions, hein.
sous lesquels étaient suspendues des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Regardez comment Satan fait les choses. Toute une bombe. Les enfants de Caïn. Je veux dire que la Russie est qu'on appelle Satan 2. Satan 2. Même pas ange, mais Satan 2. Moi, j'étais quasi Satan. Alléluia, vous êtes des prophètes. Il dit 300 amis de bombes. Il dit 95, 75. Il n'y a pas longtemps, au grand report de chef au port, un des garçons a été converti là-bas. Lors de la série des réunions, chez frère Jacques. Et il a dit, je m'a dit ceci, nous avons des bombes atomiques qui sont suspendues dans nos, dans nos hangars. Je veux dire, dans les avions. Et nous décollons. Nous décollons et faisons l'entraînement avec tous ces des bombes, ils décollent avec. N'avez-vous pas peur? Il a répondu, non, et non pas les détonateurs. Toutefois, on est tellement sûr de qui vivent qu'en l'espace d'une minute, 60 secondes, on peut mettre les détonateurs en place et partir. Et les avions sont ravitaillés en carburant et prêts. Alors, bon, ils pourraient s'envoler vers l'Angleterre tout de suite. Des grands hangars sont installés dans les océans. Ils ont mis des sous-marins. Des sous-marins. Il dit, partout. Écoutez maintenant. Ils ont dit à la Russie. Russie. Osez larguer une seule bombe. Larguer une seule bombe atomique sur l'ONU. Ose faire ça. Ou quelque chose là-bas, et vous verrez ce qui va arriver. Vous pensez parler aux Congolais. Vous pensez parler au Rwanda. Vous parlez à la Russie comme ça. Alléluia. Osez l'attaquer. 89. Que se passera-t-il? Osez l'attaquer. Que se passera-t-il? Et là, il y aurait une attaque massive contre la Russie. Dit, si la Russie envoie une bombe sur l'ONU, ces gens vont réagir. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir la Russie. Écoutez le prophète. Et si on faisait cela? Et bon, ce qui te salit, en attaquant la Russie, bien sûr. Donc, comme on dit, la Russie. Et qu'on se mettait à larguer ces bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Écoutez, ça provoquerait une réaction en chaîne. Elle ne va pas se laisser faire. Hein. Ça provoquerait une réaction en chaîne qui bénirait la terre. Hein? Ah, me suivez alors. Ozo qui brûlerait la terre jusqu'à la mèche. Osez l'attaquer aujourd'hui. Ce que nous disons ici. Mais ils ne savent pas ça. Bango ba ebi angote. Que ce soit la Moussad. Attaque au Bahi Moussad et Angoka Israël. CIA. FBI. FBI na America. Vous savez ça. Grâce à William Branham. Il dit, allô, ça a profité des réactions en chaîne. Il brûlerait la terre à la mèche. Elle s'est dissoudrée. La Russie va les faire par les tomates. Hein.
Pas l'indica. Pas les œufs. Pas des bombes qu'elle dispose. Amen. On va l'attaquer. Vous savez, cela se ferait du sera. Ne serait pas du tout contre avec les Écritures. Parce que la Bible détruit la terre. C'est pour faire la parole de Dieu. Alléluia. Mais à ce moment, Dieu merci. L'épouse est déjà partie pour habiter là-bas. Alléluia. Continuons. Car la terre sera consumée. Et les cieux aussi. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les atomes de la terre brûleront. Pas de malaria. Pour que vous et moi, William Branham, Paul et les autres, nous habitons sur la terre. Nous vivons une époque dangereuse. Nous vivons une époque où les hommes du monde sont morts de peur. Les grands hommes, ils ont peur. Ils se demandent qui fera sauter cette première bombe. Est-ce la France? Est-ce l'Angleterre? L'Allemagne? L'Allemagne? Qui va être le premier? Chacun celui qui vit. Une fois que la première bombe explosera, ça sera mobilisation partout. Dieu merci, l'épouse n'est pas là. Alléluia. Veuillez ne pas être pas ça. 91. Ça devrait être le temps le plus heureux qui ait jamais eu pour les chrétiens. Les temps vont changer. Les vieux vont devenir jeunes. Maman Isio. Alléluia. L'Isala Bonjenga et les autres, vous serez jeunes bientôt là. Alléluia. Rappelez-vous de Sarah. Vous serez bientôt jeunes. Quand vous verrez William Branham ressusciter, quand vous verrez que l'Abbé puisse ressusciter, vous levez dans sa jeunesse. Alléluia. Vous ne verrez plus les vieux personnes. Les vieux personnes. Ils seront jeunes. Amen. Ils vont vous visiter. Peut-être qu'ils feront un tour ici à Mopoul. Jean-Philippe Bodjenga. Peut-être avec son équipe. Et papa Kazakou. Papa Kazakou. Papa Mutanda. Papa Mutanda. Ils vont les amener un jour. Pasteur. Pasteur, alléluia. Ils vont visiter peut-être un jour ici. Qui les verront? Ceux qui seront prêts pour l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, ne vous trompez pas. Ce que vous aimez, vous allez récolter. C'est le temps de mettre en règle. Il dit, ça alors, devait être le temps le plus heureux qui ait jamais eu pour les chrétiens. Les temps vont changer. Les vieux vont devenir jeunes. Oh là là! La mort va disparaître. Il n'y aura plus de maladies. Maman Isio, vous ne souffrez plus. En ce temps-là. Il n'y aura plus de réunion de prière pour les malades. Mon frère, ma soeur. Vous ne pouvez pas demander l'huile d'onction. Il n'y en aura plus. Vous voulez des réunions de prière collective. Il n'y en aura plus. Alléluia. Il n'y aura plus de réunion de prière pour les malades. Il n'y aura plus de réunion pour prier pour les perdus. Dieu viendra chercher les élus des quatre vents de la terre et les rassemblera sous ses propres ailes. C'est un grand aigle. Alléluia. Et nous allons filer dans l'esprit, maman. Dans un clin d'œil. Le monde ne sera pas ça. Alléluia. Et c'est pour bientôt, mes frères. Ne soyez pas distraits.
Dieu viendra, viendra chercher les élus des quatre mains de la terre et les rassemblera sous ses propres ailes. Et nous vivrons et régnerons avec lui pour toujours dans son ciel. Écoutez, je vous demande maintenant. On t'en fait la fin. Oh mon frère. Oh mon frère. Vous êtes dans cette prédication ici. Vrai que frère Branham avait quitté la chair. Il était à l'hôtel. Il était à genoux. Il a pris pour sa propre vie. Oh mon frère. Oh ma soeur. Oh mon ami. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas préparé ce matin. Pourriez-vous l'être à cette heure-ci? Je vous supplie. Je vous aime à Jésus-Christ. C'était le son, moi c'est le matin. Et recevoir. Vous qui êtes différent. Les prêtres ne vous disent rien de péché. Ça ne vous dit rien. C'est votre cas ce matin. Vous je vous aime d'abord. Christ. Confessez vos péchés. Lelo. Vous qui savez que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec Dieu. Ce matin, je vous pose la question. Pourquoi tu vas avec votre Dieu? À l'étape de la sanctification. La justification. Ou le baptême du Saint-Esprit. Où êtes-vous ce matin? Sondez votre vie. Je vous invite à venir à l'hôtel avec moi. Je vais évoluer. Donc au Koba. 88. À 93. Je vais demander quelque chose, mais je vais demander à Joseph. Nous, c'est Joseph. Joseph. Il est là. Préparez la musique douce. Je demande à notre sœur. Je demande à notre Joseph. Venir à l'orgue. Là-bas au piano en ce moment. Na piano, sikawana. Alléluia. Écoutez maintenant. Alors que nous sommes en prière. Ntango tozali na mabondeli. Ils ont commencé à prier. Abandiko bondela. C'est ça. Eza bongo. Écoutez, lisons les prophètes. Alors que nous sommes en prière, pendant que chaque personne a la tête inclinée, je vous demande après, et que chaque personne est en prière, vous priez à haute voix intérieurement. Si Dieu vous a parlé ce matin pour vous dire où êtes-vous avec lui, où est votre vie avec Christ. Si vous mirez maintenant, priez intérieurement. Seigneur, je ne suis pas venu parler avec toi. Viens à mon secours. Voici mes faiblesses. Voici mes lacunes. Je ne prie pas assez. Je ne parle que du mal des autres. Aide-moi, Seigneur. Les temps sont mauvais. Si tu venais ce matin, où irais-je? Aide-moi, Seigneur. Il continue. Je me demande en ce moment, si vous pouvez mesurer votre esprit à la parole de Dieu, êtes-vous en ordre? Chacun devant sa conscience. Regardez-vous. Ne soyez pas un joueur. N'envoie pas ça à ton épouse, à ta femme, à ton enfant, ton diacre. Ça, c'est pour ça le pasteur. Que chacun se mire. Où êtes-vous avec Dieu? S'il venait ce matin, allez-vous partir ou vous allez rester? À cause de votre propre vie. 89. Après ce service, comme je vous l'ai dit, il dit ceci maintenant.
J'ai une belle-mère là-bas. Kuna nazali na mama bokilo. À l'article même de la mort. Oyo a commis pene na liwa. Je dois aller la voir. Zenga nanga kokuta. Elle est mourante. Pour pas mater ya zali kokufa. J'ai d'autres amis que je connais ici. Pene nazali na baninga susu na ebi awa. Que j'évite qui sont à l'arrière de la mort. L'article de la mort. Et oyo nazali kota la pone te bakali. Des gens qui se sont déjà dans cette église. Oyo bazali pene na liwa bato ba banda ki awa. Oh frère. Oyo. Oh ndeko mo pali. Oh sœur. Ndeko moi si. Vous en arriverez là, vous aussi. Vous devrez en arriver là. N'attendez pas les dernières minutes. C'est maintenant. Vous devez vous en vous. Vous je me rappelle une fois. Notre frère innocent. Vous le connaissez encore? Vous bien le sousou. Notre sœur Moadi. J'étais encore diacre. Il est mort le soir. Vous vous rappelez? Pourquoi? Vous étiez là, non, docteur? Vous avez dit mon devant le médecin. Il y a des gens qui ont là, je me rappelle. Vous avez dit que vous avez fait le Kazadi. Jean-Philippe. Jean-Philippe. J'étais là. Et faire mon kin. Vous avez dit que deux diacres. Vous diacre mi balé. Un médecin. On ne pouvait rien faire. Le frère était sur devant son sort. Vous êtes le prophète. Allô, Biboy. Vous arrivez là-bas un jour, mon frère. Oh, vous dites. Je le sais bien, frère. J'ai l'intention de réparer cette chose-là. Un de ces jours. Mais pour vous, il se peut que ça ne soit pas un de ces jours. Qu'aujourd'hui soit le seul jour pour nous. Après culte, on apprend la nouvelle. On ne le souhaite sango. Pas. Soyez prêts. 91. Cet homme était bien loin de se douter. Il parle de quelque chose qui s'est passé avec un frère. Alors qu'il venait de la Californie. Motoana zaika atako kanzate na mboka California. Qui se rendait dans le Michigan. Et zaiko kende kuna na mboka Michigan. L'autre jour. Mokolongwana. Avec sa femme, petite rapide femme. Na mwasi na ye. Et conduisait la voiture. Zaiko kumba motuka. Lui, il était à bord de la camionnette. Ya zaiki na motuka mwa monene. En route vers leur nouvelle maison. Zaiko kende kokota na ndako na bango ya sika. Dans cette nouvelle maison. Ya sominda ko ya sika. Sa femme là-bas. Amemi mwasi na ye kuna. La femme est contente. Mwasi azali na esengo. Pas ce qui va arriver. Il n'y a que Dieu qui a un dernier mot. Il connaît ce qui va se passer après cette séquence. Il dit ceci. Allô, Biboy. Il venait de prendre sa retraite à la marine. Il était loin de se douter quand il partait. Quand il est parti ce matin-là, peut-être depuis un port de tourisme, quelques minutes plus tard, son épouse et son bébé ne seraient plus que des cadavres. Mais là, un peu au nord, c'est la ville. L'air voit entrer et rentrer en collision avec un autobus. Et le conducteur avait fait son véhicule a presque fait une mise en portefeuille. Mais ça a tué cette femme, cette petite fille. J'espère que leur âme était en règle avec Dieu. L'est-il pour vous ce matin? Bongo, ezali bongo pona bino la tongo ya lelo. Jeune frère, elenge mobali. Jeune sœur, elenge mwasi. Papa, maman, êtes-vous prêts ce matin? Papa, maman, ozali. Si vous appelez, allez-vous les rencontrer? Ceux qui a bengi yo, kokuta na ye, pona ete
chacun sera sa présence. Et vous serez seul bongo kozala yo moko devant la parole de Dieu. Iboso ya di lobananza Daniel Curé, j'étais seul. Azaki yemoko. Vous prédicateurs qui m'écoutez. Yo moté yo zali kolanda ngai. Et moi qui prêche. Bongai moko pe na ce côté. Nazali sembo. Si m'appelle ce matin. Soka benga na tongwa lelo. A te rencontrer. Donc okuta na ye. Alléluia. C'est la vraie question. Wana nde bo tout le moto na ya solo. Et c'est que moko na moko amitala. Il y a quelques semaines, mais poso eleki, quand faire ou de moi. Nous sommes rendus à l'endroit où nous avions, nous sommes rendus où l'avion s'était écrasé. Pas loin d'ici. Nous les absorbions. Alors qu'ils dégageaient des morceaux du corps de huit hommes. Il y avait là des têtes, moto, des jambes, moi, bon, des bras, tolo, un peu partout. Ils ont ramassé un corps, les entrailles sortaient du corps de cet homme. Il s'agissait peut-être d'un brave homme. Un homme célèbre de Chicago. À cet instant-là, il monte de terre. Frères et sœurs, je vous supplie ce matin, examinons-nous. Ils ont ramassé un corps. Quand cet homme est monté à bord de cet avion, ce matin-là, je me demande s'il avait eu les bonnes intentions. Les hommes, ils s'étaient rendus à l'église. Le pasteur avait fait un appel à l'autel. Il avait réprimandé les péchés. Et cet homme avait une chance. Bon, comme un animal. Je vous supplie, mes frères et sœurs. Zali ko bonde la bino bande konanga ba sou mbale na tongo ya lelo. Ne venez, ne partez pas tant que vous êtes venus. Je vous supplie. Na tongo lelo na zali ko bonde la bino. Avez un problème dans votre cœur. Ozali na likambo solo. Na mulukutema na yo yaka ne tumbe le toko bonde la. Toko bonde la elongo. Le prophète. Boyo kamosa koli. Réfléchissez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Non seulement sont-elles importantes, mais elles sont ce qu'il y a de plus important pour vous en cette ère. Alléluia. C'est maintenant le moment où vous prendrez votre décision. C'est maintenant le moment où vous pourriez prendre votre décision dans cette vie pour la vie à venir. Puissiez-vous faire cela alors que nous prions. Alléluia. Êtes-vous prêt à le faire? Il y a une tête. Je lis la pregunta de le prophète. Na kotanga mosakoli. Père céleste. Kolo tata nalola. Dans la Bible. La Biblia. Nous lisons. Totanga ki. Ce que tu as dit au sujet du péché. Oyo lobi na tina ya masumu. Et de ce qu'il les commette. Na tina pe bato bazali oyo bazali ko sala masumu. Et qu'il les confesse pas. Et te bazali ko yambola yango te. Nous sommes conscients de ce qui va de ce qu'il faut qui veut dire. To yebi solo solo de mourir sans avoir connu Dieu. Donc onini yango ezali ko tel sa soko kufi. Nous le savons par expérience. To yeba nzambe te to yebi yango na ni. Car nous avons vu d'autres personnes parties. Bona ete to mona ki ba susu ko kende lo moti do. Ceux qui ont eu l'intention de faire quelque chose. Ba to bazaki ko lika ko sta posa ko sala li kambo songolo. Mais qui l'ont trop longtemps remis à plus tard. Ki ki yango te ko lika tango molai. Oh Dieu. Oh kolo. Oh Dieu. Oh nzambe. Ceux qui ont confessé, mais qui n'ont pas possédé ce qu'ils prétendaient avoir, ceux qui ont agi comme des chrétiens, mais qui pourtant
n'ont jamais été chrétiens. Leur vie l'a démontré. Et leur mort l'a manifesté. Maintenant, Père, je te prie de parler à chaque cœur ici ce soir. Et moi-même, Seigneur, pour avoir été là à agir, pour toutes ces choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Père, Tata, je confesse mes torts. Je confesse les torts de ces gens. Je confesse les torts de cette nation. Je te demande d'être miséricordieux, Seigneur. J'ai là trois jeunes enfants. Et nous vivons ici dans un milieu hostile. Et, oh Dieu, il nous est inutile de prendre la fuite. Tu sais tout à ce sujet, Seigneur. Oh Dieu, Kolo, je vais être en règle avec toi. Kozala sembo na yo. Un jour, Kolo moko, si ce n'est pas une bombe atomique qui vous tue, ça c'est un accident. Et accident. Ce n'est pas l'accident qui tue, accident ce sera une maladie. Et kolo, quelque chose doit nous enlever. Loko moko la vie. Mais nous sommes si heureux de savoir qu'il y a un moyen d'échapper. Le nom de l'Éternel est une tour et le juste se réfugie et se retrouve en sûreté. Oh Dieu, qu'un ami pécheur ce matin, garçon, fille, femme, voit la porte ouverte. L'occasion et court vers Christ. À cette heure même. J'ai honte de ma vie, Seigneur. Je voudrais confesser mes torts devant Dieu. Et miséricorde. Vous qui avez besoin. Quand il lève la main, que Dieu vous bénisse. Kolo apambola bino. Que Dieu vous bénisse, ma frère. Kolo apambola bino. Ndekonanga mobali, ndekonanga. C'est mon frère. Ndekonanga moisi. On continue. Tokoba. Père. Tata. Bon nombre d'entre vous ici. Mingi katina bino awa. On professe le christianisme. C'est pendant longtemps. Et comment ils savent ce qu'ils font. Maintenant même, font des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et vous continuez sans les confesser. Vous vous contentez de suivre le courant. Vous regardez déjà des émissions que vous ne pouvez pas regarder. Vous regardez déjà des magazines. Et lisez des choses que vous ne pouvez pas lire. Cela ne convient pas aux chrétiens. Vous écoutez des plaisanteries. Dégoûtant. Ces histoires sales. Et ces grossières. Oh, ils ces grossièretés plutôt. Ce que vous ne devez pas faire. Hommes et femmes. Vous connaissez des situations où vous auriez pu dire quelque chose. Vous ne l'avez pas fait. Et peut-être êtes-vous coupable du péché d'omission. Je me demande si vous pourriez lever la main vers Christ pour que vous soyez miséricordieux envers vous, qu'il vous pardonne. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Levez la main. Tombola loboko. Vous savez que vous avez mal agi. Oebeti o tambola ki mabe. Je me demande. Nazaiko mituna. Si vous avez le courage. Soki ozala na lelo.
Ne me rejoins d'ici à l'hôtel. Koya, Koya nangai awa na itumbelo. À genoux autour d'ici et disons Toloba, oh Dieu, oh Zambé, sois miséricorde envers nous tous. Yokamawa, Nicolona, Biso, Biso, nous avons besoin de toi. Tosali na bosenga na yo. Tes Dieu, vous bénissez, madame. Kola pambola yo. Je vois ici à genoux de cette chair. Yo, Zali awa, bon fukami na etubelo yo. Chacun prie dans son cœur. Tika etumboko na moko abonde la motema manaye. Merci Seigneur. Ton domingue colo. Ah. Que Dieu vous bénisse. Kola pambo la bino. Regagnez vos places. Bozonga na bisika na bino. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Je le confesse, Seigneur. J'ai tort. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. C'est votre cas, mes frères, ma soeur. Ils ont dit bon repos, n'ayons de connaître moi si de connaître mon vali. Que cette vie que nous avons fait aujourd'hui, ce matin, tu gagnes bon moyen aujourd'hui dans Tongo et Alelo. Mais surtout, vous êtes venus ce matin. Tobimate le lingue, tu y as qui dans Tongo et Alelo. Commençons une nouvelle vie. Tobanda bon moyen Yasika. Loin de tout compromis, frère. Yasika y a qu'on s'engage dans le balanzambe. Le monde est foutu. Bomokili et Koufi. J'ai tort, Seigneur, moi-même. Mokope, Nazali, na Kweisami, Kolo. D'abord, j'ai fait un retard. Na Sali, le Kambango, na Tango, na retard. Que Dieu nous aide. Tika été Kolo, Zambia, Sungabiso. Et tika son poste pour le travail correctement. Et son poste pour le travail correctement. Tout ça, la Moussa, na Biso, na. On s'entend cantique. Donc, on va le faire. Frère Bosse qui va prier.
On va encore adorer pour terminer. Mettez-nous debout. Tout élément. Alléluia. Il y aura pas le plus heureux.
que nous avons chanté, Oyo douti koyemba, ce n'est pas une histoire. Ezali makambo eleka kalate. C'est une réalité. Ezali solo. Branham a vu ça. Branham a mona ki yango. De l'autre côté. Tango akenda ki na ngambo mosusu wana. A demandé une dame. Atuna ki na. On lui a dit mais c'est quoi ce mot-là? Babi batunye yo yebi mwasi oyo. C'est une dame. Oui, azalaki elenge mwasi. Quand on a Christ, il avait tel âge. Tango yo memaki na Christo azalaki. C'est ce qu'on va vivre. Dema itoko mona toko bika. Et c'est pour bientôt. Bongo yango ko sel masimo mwa tango moke. Je vous supplie mes frères et sœurs. Azaliko bonde na bino bande ko nanga basi mi bali. Mwasi le frère avec Christ. Bo banda bo mo yasika elongo na Christo. Priez les uns pour les autres. Bonde la ba moko bona ba. Parfois je vais terminer. Nazaliko tanga molongo ya suka pona. Tambi ceci. De ko pona malobi boye. Et vous, ça n'est sans quatre. Bongo bino. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Par votre propre vie. Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez amené l'opprobre sur l'église et sur l'évangile. Combien déjà avez-vous amené à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devriez avoir honte de vous-même. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'hôtel. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui compte pour Christ, c'est son vie quotidienne. Parce qu'on a été il y a 20 ans, il y a 5 ans, ce que nous sommes ce matin. Parce qu'il t'appelle, c'est ce que tu étais il y a 10 ans. C'est que tu es au moins t'appelle. Tu as un règle avec lui. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le cas. Rentrez à la maison. Continuez à prier. On va terminer. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent en ligne. Nous avons une demande. Assistance financière. Souvent, quand on commence les cultes, ça défile. Là où vous trouvez, vous voulez nous assister. Nous serons très reconnaissants pour ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère Boseka. De l'église pour terminer. Okay. Par la prière. On se retrouve mercredi. Bon, on se retrouve mercredi. Vendredi, nous allons commencer un autre sujet. Tokobanda l'ité ya mususu. Je vais passer mari divorce. Na kaze kolika te koza la kobala pe kobamba di bala. Je vais parler un peu sur le ministère des bandes. Bon, on a koloba moke na tina matali mosala ya ba bande. Qu'est-ce que l'homme nous a dit sur ce sujet-là? Tokobanda malobi nini na tina mosala ya ba bande. Que Dieu vous bénisse. Olo apa kola binoboya mokolo ya misato pe mikolo mitano. Est-ce que vous pouvez avoir retenu pendant longtemps? Je m'excuse. Na liki si mo tango boli bisangai. En tout cas, pendant pour cela, je m'excuse. Boli bisangai mingi. Dieu notre Père, c'est vrai, ce matin, tu nous as parlé une forte parole et cela est entré dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous venons nous incliner devant toi. Toi, tu as dit que le peuple qui s'humilie devant ta parole et qui prie sincèrement et qui demande pardon, Seigneur, toi aux cieux, toi au ciel, tu les pardonnes. Et nous croyons que tu as pardonné chacun de tes enfants et tu as pris, Seigneur, la charge qui était dans le cœur de chacun de tes enfants, tu l'as portée vers toi et tu nous as donné ton jour. Seigneur, quand nous venons, ce n'est pas pour que nous puissions chercher les biens de ce monde ou quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule chose que nous cherchons. Ce que nous avons écouté,
Ce que nous avons écouté, Seigneur, dans la prédication, que chacun de nous puisse y entrer. D'autres ne l'ont pas écouté puisque tu ne les as pas appelés. Mais tu nous as appelés, nous. Et tu nous as appelés, nous sommes venus. Tu as prêché, tu nous as montré, Seigneur, cette cité. Oh Dieu, laisse à ce que, Père, que nos vies prouvent réellement que nous sommes ceux de cette ville. Prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur. Conduis-nous en tout pour que les désordres qui y aient dans ce monde, Seigneur, que nous ne puissions pas faire partie, que nous puissions seulement regarder avec les yeux, puisque le prophète dit, ne cherchez pas à rater cela. Oh Seigneur, nous aussi, que nos yeux soient tournés vers cette cité-là, que nous puissions marcher conformément à ta parole, et nous ne le ferons pas par nos propres efforts. Voilà pourquoi nous pleurons, nous crions pour que ton Saint-Esprit descende et qu'il parole ta parole en nous, dans chacun de tes enfants. Sois agréable à tes yeux. Bénis notre pasteur pour tout ce qui est sorti de lui, Seigneur, que toi tu puisses le rétablir pour que prochainement, quand nous allons encore nous retrouver, que nous puissions écouter encore ce qui viendra de toi. Bénis chacun de tes enfants dans notre chemin de retour, que nous soyons toujours entre tes mains. Même quand Satan place, dispose son armée là dehors, que cela ne puisse pas enlever ce que nous avons écouté. Quand des gens entre tes mains, le diable ne pourra plus les avoir. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Amen. Je vous bénisse. Dimanche prochain, je souhaite qu'on ait une photo de l'église, une photo d'ensemble. C'est possible? Et moi, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Alléluia. Yeah.